Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Kamel. Alors ce soir, je pense que je vais être un petit peu rapide, je pense, parce que j'ai une partie à 21h de Vampire. Mais je voulais faire mon petit résumé sur une table qui a joué dimanche, qui est celle de Baran. Et une partie de la table de Baran qui a joué dimanche. Table du coup éphémère, le temps qu'il retrouve les autres, et je l'ai surnommé Baran Infiltration, puisqu'il s'agit d'une infiltration de deux personnages. Et je préciserai dans mon résumé quel genre d'infiltration. Donc le but de ces petites émissions, c'est de faire le point un petit peu sur mes parties, que ça puisse être utilisé ensuite par les joueurs pour se rappeler où ils en sont. Je ferai un résumé dès que la vidéo Twitch sera partie, j'en ferai une autre sur la table, histoire que on puisse se tenir à jour, fixer un petit peu les données que l'on a. Le passif et également ce qui se tend à l'horizon grâce au résumé. Ça puisse orienter les joueurs sur ce qu'ils comptent faire, se rappeler de ce qu'ils comptent faire, car sur mes tables, ils jouent à peu près une fois par mois, ce qui est assez long pour se souvenir de tout. Et une vidéo, c'est largement plus pratique pour se rappeler des histoires passées. Donc j'espère que vous m'entendez bien, je vois que le micro marche bien. Donc je vais commencer ce résumé sur ce monde d'Alarion et sur ce scénario, la grâce de la fureur. Et sur la table de Baran Infiltration. Nous allons commencer par des généralités pour aller de plus en plus précis sur ce qui se passe. Donc généralité, tout d'abord nos amis ont été recrutés parmi tant d'autres par un certain Amon qui souhaite construire une guilde. Mais pourquoi ? La guilde de la grâce de la fureur est à la base une guilde de chercheurs ou d'archéologues qui recherchent des reliques des anciens héros du passé afin de les répertorier, de vérifier qu'ils soient toujours en place et si jamais ils sont retrouvés, de les ramener afin de savoir si il les garde ou alors s'il les restitue à l'endroit où ils devraient être, c'est-à-dire près des sépultures prévues. Mais il réside un questionnement sur cette guilde de la fureur qui est un petit peu ambiant sur le territoire d'Alarion. Car Amon semble cacher un petit peu son jeu. Et effectivement, il fait venir de tout Alarion, de l'ensemble de territoire, un certain nombre d'individus qu'il réunit dans son QG de Nevva, dans sa villa. Il en fait venir une petite vingtaine afin de leur parler de ses projets et de ses inquiétudes. Ce projet, c'est de réunir des aventuriers. Donc, officieusement, il s'agit non pas d'une guilde de chercheurs et d'archéologues, mais bien évidemment d'une guilde d'aventuriers. Cette guilde d'aventuriers réunit autour d'Amon pour contrer les différentes menaces qui semble s'abattre de plus en plus sur Alarion.
Les menaces sont diverses. Il y a, semble-t-il, une invasion que le Nord prépare. Il y a, semble-t-il, une corruption qu'il faut dévier, rectifier sur l'ensemble du territoire d'Alarian. Il y a les territoires du Sud qui sont menacés non seulement par le royaume de Ragaron, qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est d'envahir Alarian, et également la mer des démons qui semble quelque peu inquiétant. Mais pourquoi? Il y a également l'Est, mais l'Est, dans la tête d'Amon, n'est pas une priorité. Ce n'est pas une menace. Même s'il fait venir un certain Tempeste, qui est le seul survivant d'une attaque venant de l'Est. Mais pour l'heure, Amon demande à quelques aventuriers de partir pour Baran, un point stratégique qui se veut être un point d'observation pour se rapprocher d'un escroc. Un escroc bien ciblé et que nos amis vont tous s'apercevoir de son existence. Il s'agit de Rectan. Ce Rectan favorise l'invasion des créatures du Nord. Ce Rectan favorise la corruption sur tout le territoire d'Alarion. Rectan produit en masse des armes et des armures et des objets magiques dont l'objectif est non seulement d'armer n'importe qui, mais également l'ennemi. Une équipe a été jusque dans une prison, l'a nettoyée. Enfin, plusieurs tables ont permis de nettoyer cette prison afin de dénicher cette invasion du Nord avec de nombreuses armes. Des armes qui ont transité depuis Haute-Bannière, gangrénées par une garde achetée par Rectan et les créatures du Nord. Haute-Bannière fut nettoyée également. Et nos amis, ceux qui avaient pour mission d'atteindre Rectan, de s'approcher au plus près de cet escroc qui semble habiter, résider à l'est, à l'ouest plutôt, au niveau des forêts et de la et des chaînes de montagnes à l'ouest de Baran, non loin de Baran. Et d'après les observateurs, Baran est un point d'inquiétude pour Amon. Alors nos amis progressent à 5 au début vers le nord, composé de Dirt Ando, un petit magicien gnome, Jacine Loraven, une elfe du Talban, Lessio de la tribu Sol, un Félis venant de l'est de Baran, des forêts. Il y a également Clisnat, une femme serpent qui, venant aussi des cours d'eau de Baran, recherche un individu capturé par Rectan. Et enfin, quoique enfin, je crois que j'ai fait le tour des premiers aventuriers qu'il y avait eu. Mais il y eut aussi un individu qui s'est invité parmi eux. Il s'agit d'Ekachij, un petit individu, alphelin, qui accompagna nos amis
sans dire exactement pourquoi. Mais il réussit à les convaincre d'accepter sa présence. C'est ainsi que nos amis, après avoir combattu des goules, un diable gelé, se retrouvent à Baran. Au début, en tant que personne dissimulée, puis après la chute du diable gelé et la sauvegarde de la ville face à cet être qui aurait pu la détruire, étant donné leur courage face aux créatures qui voulaient raser la ville, nos amis furent célébrés en Baran même par Arnould, l'un des plus grands gardes que Baran n'ait jamais connu. Mais alors que nos amis célébraient leur victoire, régnait en leur sein une discorde qui fit déchirer la table lorsqu'un barde, Miché, arriva et par son arrogance, son discours plus que horrible, horriblement bizarre et débilitant, devrais-je dire, malgré tout. Eh bien, nos amis se séparâmes. Clisnat et Katchige, Jacine avaient perdu Lessio d'abord, qui suivit de loin Ekachige, qui alla dans sa forêt, je l'expliquerai plus tard, et Dirt, qui poursuivit sa propre route, ne reconnaissait plus en ses amis la quête et les espérances qu'il avait fondées en cette équipe, même si, à vrai dire, il n'en avait jamais fondé d'envie. Il avait seulement l'envie de découvrir, de savoir, alors que leurs amis avaient envie de bataille et d'aventure dangereuse. Mais malgré ces départs, la discorde continua, en particulier pour savoir, après que Clisnat ait pu avoir les informations, après que Jacine ait eu également des informations sur le fait que Rectan avait une forteresse, la forteresse d'Ashton-Tyre, à l'ouest, dans la chaîne de montagne, après la forêt. Et Katchige découvrit un passage souterrain menant à un monde souterrain vaste, mais contrôlé par ce qui semble être une créature. Il lui semble que c'est une liche. Il lui semble avoir aperçu également des vouivres qui regardent, qui contrôlent le territoire d'en dessous. Alors Ekachige alla dans cette forêt, à l'est, dans la forêt de la tribu de Sol, afin de trouver le phylactère protégé par la tribu tribal. Il trompa la surveillance de la tribu par la ruse et fit détruire le phylactère et mettre fin à l'existence de la liche
sous la terre. Et de même, priver les vouivres de leur maître et de ses ordres par la même occasion. En revenant vers ses amis, il essaya de les convaincre de passer par le dessous. Mais Jacine avait transmis des ordres pour réunir une tribu de confréries étranges de Baran. Une confrérie de la pègre de Baran, mais également des soldats du Ru, mais également des soldats venus du Talban, de sa famille, afin de marcher vers la forteresse. Ainsi, elle décida, Jacine, de prendre le chemin sur terre pour rejoindre cette armée. J'ai oublié aussi effectivement la troupe de Domil Starongo, des individus qui veulent empêcher cet escroc de prospérer et de gâcher la vie d'un tas de foyers de pauvres malheureux. Jacine, on en parlera plus tard, croisa Garrok et avait posé son siège autour de la forteresse. Nous en reviendrons dans un autre résumé pour Baran le siège. Mais en dessous, nos amis Clisnat et Ekachij trouvèrent Owen, un gars de la confrérie de Clisnat, parti par en dessous, réussit à traverser la forêt, arriva devant le château de la Liche pour observer cette civilisation de géants qui cultive les terres, travaille la peau, travaille la pierre, bref, une vraie civilisation au service d'une Liche qui n'existe plus. Nos amis passèrent, allèrent dans une forêt un petit peu plus dense, avec beaucoup moins de constructions, beaucoup moins de châteaux. Il semblerait que seule la nature souterraine, et ceci dit verdoyante, prospère ici. Ils se confrontèrent à des créatures étranges, des araignées géantes et des scorpions nocturnes. Ils réussirent à passer sans avoir besoin de trop se battre, par la discrétion et l'efficacité au combat. Ils trouvèrent au bout du chemin une échelle. Ils grimpèrent à cette échelle, haute, très haute. On ne saurait dire combien de mètres, combien de centaines de mètres ils ont dû escalader pour arriver tout en haut. Tout en haut, ils arrivèrent sur une sorte de balcon. Un endroit assez vaste pour se reposer. Un endroit assez vaste menant à un petit couloir avec une porte fermée. Ils se reposèrent et le lendemain matin, décidèrent qu'Ekachij, après avoir communiqué avec son protecteur, d'ouvrir la porte et d'aller en éclaireur à l'intérieur. Owen ouvrit la porte et Ekachij entra, invisible aux yeux de tous. Mais voilà, son protecteur l'avait prévenu. Derrière la porte, ce ne sont pas des gardes, ce ne sont pas des chevaux, ce sont des bêtes, des créatures monstrueuses qui gardent les lieux. Ils tombèrent
face à cette créature, avec cette tête explosée, avec ses pattes griffues, attachée à une chaîne très longue, suffisamment longue pour atteindre Ekachij, si jamais cette bête venait à se réveiller. Cette bête, au moins 30 fois plus grande qu'Ekachij. Alors Ekachij prit soin de passer silencieusement contre la paroi, réussit, et alla dans la pièce suivante. Il y vit trois scorpions. Il continua à s'approcher en invisible, en douceur, prenant son temps. Puis demanda à son protecteur quel chemin il devait prendre. Pour son protecteur, le seul chemin était celui de la droite, la porte de droite menant à une créature que nul ne pouvait esquiver ici, et de répondre à ses énigmes. Alors Ekachij retourna en arrière, chercher ses compagnons, ne voulant affronter cette énigme tout seul. Clisnath refit le point, regardant sur la porte, sur la carte, prenant un maximum de références, en étant sûr qu'aucune autre entrée n'existait, et s'aperçut de trois petits dessins en bas à droite de la carte. Il y avait le dessin d'un seau, un dessin d'un lit et le chiffre 2 noté à côté. Elle ne savait pas à quoi faire référence, mais sachant que son compagnon venait de lui dire que certainement qu'une énigme devait leur être demandée, alors ils gardèrent ça dans leur tête. Ils allèrent discrètement jusqu'à la pièce des scorpions. Ils avaient réussi à passer la créature de la première salle en discrétion. Mais malheureusement, Owen ne fut pas suffisamment discret et les scorpions furent attirés par des bruits, des vibrations, et se tinrent prêtes, toutes trois, à attaquer. Clisnath profita de leur aveuglement naturel pour faire du bruit, des prestidigitations, de l'eau qui tombe, des bruits d'armure, afin d'attirer leur attention. Ils essayèrent de passer discrètement, mais décidément Owen n'était pas sous son meilleur jour et se fit repérer par l'une des scorpions nocturnes et se fit attaquer. C'est alors que Clisnath renforça ses bruits encore et encore pour permettre à Owen de s'en sortir, pour permettre aux trois amis de s'en sortir et de poursuivre leur route. Et ses coups de prestidigitation réussit. Clisnath fit passer ses amis dans ce dernier couloir menant à cette troisième pièce, la salle de la gypsosphinx Moana. Ekachij et Clisnath se présentèrent en premier. Clisnath, par habitude, ne fit pas grand cas de cette créature. Ekachij, reconnaissant tout de suite la créature surpuissante qu'ils avaient sous les yeux, demanda à son ami de prendre toutes ses précautions et de faire attention à ce qu'il dit.
car la créature est susceptible et pourrait les tuer en un coup de bec. Alors, la créature demanda ce qu'il faisait ici. Nos amis leur parlèrent. Je vois que je suis en retard et que je suis attendu. Donc je vais me dépêcher sur la fin du résumé. Donc nos amis parlèrent à ce sphinx. Sphinx qui demandait ce qu'il foutait là. Nos amis essayèrent de se débrouiller quand Owen tout d'un coup dit solide. Alors la créature passa à un tout autre niveau. Leur dire qu'ils ont gagné la possibilité de survivre en ces lieux, mais pour passer et être libre de faire ce qu'ils veulent, ils devaient répondre à une énigme. L'énigme était la suivante. Je vais essayer de m'en rappeler. On en trouve deux en une année. On en trouve une en une semaine. Mais on ne me trouve pas en un jour. Qui suis-je? Nos amis cherchèrent, demandèrent trois fois la répétition de cette question. Quand Ekachige répondit N, car il y avait deux N dans année, un N dans journée et zéro dans jour. Il avait réussi à répondre à cette énigme. Mais comme si cela ne suffisait pas, Ekachi révéla à la créature que la liche en bas était morte, avait disparu. La créature, contente de pouvoir agrandir son garde-manger, s'intéressa un petit peu plus à Ekachi après avoir ressenti quelque chose de particulier chez lui. Et sur ce point précis, ne sachant si les autres joueurs des autres tables écouteront ce résumé, je ne veux pas les spoiler. Donc j'en resterai là sur ce résumé. Mais je dirais qu'à la fin de la partie, Ekachige était heureux de sa partie. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain résumé. Bonne soirée à vous.